Eh ben, ça va être dur à grimper, hein. Il exagère. Heureusement que si je l'ai créé seul au cinquième jour, c'était pour qu'il ne soit pas mal accompagné. Et puis, hein, reconnaissez qu'on n'a rien inventé de mieux qu'une femme. Cher Dieu, je ne crois pas bien dans toi, mais bon, ne fais jamais. Pourquoi pas? S'il fallait croire rien qu'une fois que ce soit, t'as cette occasion-là. Sache qu'on n'est pas content du tout n'avoir pris que 6 jours pour créer la terre. Les hommes, les femmes valent pas un clou, c'était ni fait ni à faire. Exemple de ce qui ne va pas, y a la symétrie mammaire. Les poils par-ci par-là, les seins en vieillissant qui tombent par terre. En anatomie du lac caché, que t'avais pas le niveau CAP. Coup d'accoucher dans la douleur, si c'est un siège, t'en vas pendant des heures. Coup du serpent, c'était sadique. Les hommes pouvaient pas résister, et les femmes bien trop lubriques pour renoncer à nous tenter. Reconnais qu'il a fallu tout refaire, inventer l'implant mammaire, la prévention, le soutien-gorge, voilà l'autonomie, la chirurgie, l'écologie, et pour permettre un petit jugement, le dernier à mon avis. Puisque c'est fait jusqu'à maintenant, tu ne mérites pas le paradis. Puisqu'il s'est fait jusqu'à maintenant, il ne mérite pas le paradis. L'embêtant, c'est que les femmes qu'il a créées, elles veulent toujours que leur homme change. Alors que les hommes, eux, veulent simplement changer de femme. Bah oui. Mais pourquoi les a-t-il créés plus belles qu'intelligentes aussi? Mais ça, c'est parce que j'ai créé plus idiots que d'aveugles. Ainsi, elles peuvent vous aimer. Et, en fin de compte, plus elles sont stupides, et plus elles peuvent vous aimer. Ouais, ouais, c'était si bien que ça, t'en aurais une, hein? Et puis, elles ont toujours besoin d'une raison pour aimer. Mais si elles ne sont pas aussi belles, vous n'avez qu'à les faire se maquiller. Oh bah d'accord. Oh bah dis donc. Moi j'ai fait tout ça pour qu'ils soient heureux. Ouais, dans l'Éden, bah dis donc. C'est... Et d'ailleurs, où l'as-tu rencontré déjà? Eh bah au bal. Ah oui, le bal.